Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Je te regarde toi et je te remercie toi spécialement d'avoir pris le temps de regarder ce deuxième épisode. Oui, je suis toujours content quand il y a des gens qui sont assidus et qui sont là pour me suivre dans mes aventures. Et je pense qu'on a gage quand même d'un excellent, en tout cas pour moi, selon moi, d'un très bon jeu quand j'ai terminé de filmer hier mon épisode. Et quand j'ai terminé, je suis resté ici après avoir filmé, placé mes shots de mes séquences dans les bons dossiers sur mon ordinateur. Je me suis installé, j'ai regardé le plateau et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire dans le prochain épisode pour essayer de remonter la pente. Parce que là, présentement, je dois vous avouer que je donne pas beaucoup d'argent pour ma victoire, mais j'ai pas nécessairement dit mon dernier mot. OK? Et là, j'ai quand même réfléchi à quelque chose. Puis tout va dépendre, je vous dirais, vraiment beaucoup, beaucoup du premier, la première action que va faire Alfred. Parce que j'ai vraiment l'intention d'aller jouer ici en utilisant ça, parce que j'ai un personnage qui pourrait avoir deux jaunes en jouant ça et un vert. Donc, je pourrais aller jouer là. Et celle-ci, c'est une action qui nous... Ouais, je vais me présenter de bon côté. C'est une action qui permet d'aller jouer n'importe quelle action bloquée. Alors, j'aurais l'intention d'aller prendre celle-ci qui est bloquée, qui me permettrait d'avancer mon bateau de 4. Alors, mon bateau de 4, si je l'avance de 4, il ferait 1, 2, 3, 4. Ce qui me permettrait d'aller là pour éventuellement peut-être aller me chercher des nouveaux personnages. En tout cas, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, énormément. Et aller chercher des rouges aussi pour aller me chercher des points. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités, encore une fois. Et bon, on va commencer par regarder ce que Alfred va faire. Et la seule affaire que je veux pas qu'Alfred, je veux pas qu'il ait placé. En fait, faut pas qu'il ait placé rien ici. OK, oh, phew! OK, ça va, ça va. Alfred, en passant, il n'y avait pas deux actions pour aller livrer. Alors, Alfred va aller poser le B. OK? Alors, je vous rappelle que Alfred veut aller poser... Donc, quand il joue un de ses ouvriers, il va aller jouer l'ouvrier dans la zone la plus basse ici. Donc là, il y a celle-là, puis il y a celle-là. Malheureusement, le B, il n'a que du jaune. Alors, en n'ayant que du jaune, il ne peut pas, même s'il a assez d'argent, il ne peut pas payer pour aller jouer sur ceux-là ici, parce que ça y prend au moins un saut de sa couleur. Donc, Alfred va aller jouer ici, parce que c'est la seule place où il peut vraiment aller jouer. On va juste s'en... Je pense que c'est important ici, je vais juste regarder. Donc, le Stronger Worker Placement Location, button most unlocked and empty with at least one matching white seal. Donc, le plus bas avec un, le cheapest in coin. Puis, il faut qu'il y ait au moins, donc, un matching. Puis, worker leftmost color wax seal. Alors là, le plus bas qu'il peut jouer. Le plus bas qu'il peut jouer, vraiment, là, c'est... Donc, c'est ici. OK? Et là, d'une certaine façon, je me pose toujours la question, comment il peut se rendre jusque-là? C'est toujours ça, hein, quand on a des automas, c'est qu'on se pose des questions. Donc là, il veut jouer là ou il veut jouer là. Mais là, il n'y en a pas. Fait que s'il n'y en a pas, il va aller jouer sur celle qui peut jouer avec les jetons qu'il a, qui est le jaune. Alors, il va aller là. Je me pose toujours des questions. Ça fait partie de la game. Fait que je vais aller prendre le livret d'instructions finalement, puis je vais aller regarder, puis je vous reviens. C'est beau, là, je viens de comprendre, parce que je me demandais comment il ne pouvait pas aller jouer sur un lieu. C'est s'il n'y a pas assez d'argent pour aller jouer sur un lieu, c'est là qu'il va passer à un prochain, puis qu'il va peut-être même descendre jusqu'à temps qu'il atteigne ça. Fait que là, il joue effectivement là, c'est le seul endroit qu'il peut jouer. Alors, il va placer deux correspondances. Alors, on voit que il place ces deux derniers-là, et oui, il va aller les placer ici, parce qu'il peut... Donc, avoir plus de timbres que moi.
Il ne fait pas l'action, par contre, mais il vient de se déplacer. Il vient de défaire ici un petit plus 4. 2, 3, 4. Alors, il y a le maximum de pièces encore. Il ne manquera pas d'argent, notre ami Alfred. Bon, alors, là, je dois vous avouer que c'est là qu'il faut que je décide si je fais ce que je vous ai dit. Et je pense que oui. Alors, je vais prendre mon bonhomme qui est ici. OK? Mon bonhomme qui est là, je veux aller le jouer. Donc, officiellement, je vais aller le jouer là. Mais si on regarde mon bonhomme qui est là, on voit que mon bonhomme a un saut jaune, un saut vert, et ça n'en prend deux sauts jaunes. Alors, je vais dépenser ce jeton-là pour remplacer un saut jaune. Donc, c'est un temporaire. Donc, j'ai deux sauts jaunes, puis un saut vert. Alors, ce qui fait en sorte que j'en ai assez pour jouer ça. Alors là, je peux jouer n'importe quelle, c'est ça, l'action. N'importe quelle action qui est bloquée. Et ça inclut ceux-là. Et là, j'ai pensé à ceux-là pour aller chercher cette pièce ou 7 points. Mais non. Celui-là, je pourrais aller ici pour me gagner, si je voulais. Je pourrais me gagner un saut pour pouvoir le placer où je veux. Puis pour faire en sorte que... Puis le saut me coûte rien, là, en fait. Puis je pense que j'ai pas besoin de payer. Si je reconnais bien le petit... Attends, si je vais voir le 7 ici pour ce qui est des tuiles spéciales. Placer un cachet de cire spéciale dans la case disponible le plus à gauche, un ouvrier, sans pénalité. Alors, j'aurais même pas à payer les pénalités dessus. C'est quasiment intéressant. Mais non, je vais aller faire celui-là ici qui va... Donc, je fais l'action qui est là, qui va me permettre de bouger mon bateau de 4 espaces. Alors, je vais faire 1, je vais faire 2, je vais faire 3 et je vais faire 4. Donc, j'ai dépassé. Mais là, regardez, je viens de dépasser cette ligne-là, ce qui fait en sorte que je vais prendre mon deuxième mon deuxième explorateur, puis je vais venir le placer sur la deuxième île. Alors ça, c'est mon action. Mais là, si vous vous souvenez bien, lors du dernier épisode, j'avais réussi à faire ça ici. Donc, celle-là, c'était aussitôt que j'avais donc un animal de vérifier, ce qui est le cas ici. Donc, c'est la rangée du haut. Et que j'ai vidé totalement un lieu des timbres. Alors, j'ai réussi. Donc, je peux le placer où je veux. Et je pense que je vais aller le placer ici. Et là, ça va me permettre, sur une île sur laquelle j'ai au moins un ouvrier, d'aller faire une recherche. Mais là, je vous rappelle que là... Ça, c'est le problème de traduction qu'il y avait dans la version française versus la version anglaise. Dans la version en français, c'est écrit toutes les espèces qu'il y a sur l'île, mais dans la véritable version, si je dois en choisir une que je veux donc analyser. Et là, j'ai pas de plume, par contre, sur celle-là. Mais je pourrais quand même aller éventuellement... Donc, si je me promène un peu, je pourrais aller en livrer quelques-uns. Alors, je pense que je vais prendre le plus loin qui est ici. Alors, c'est une fleur et je vais donc aller le placer. Mais c'est pas une fleur, c'est comme un arbre. Alors, je vais aller le placer là. Donc, ça, c'est l'habileté spéciale de ma tuile qui me permet ça. Puis, je vais faire un point à la fin de la partie. Ça, c'est cool. Ça, c'est quand même cool. OK. Donc, c'était mon action. Et c'est tout. C'est tout pour mon action. OK. Ouf. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais quand même. Bon, hey, boy, c'est sûr que là, c'était sûr que ça allait arriver. Quand même, c'est pas si pire. Donc là, lui, il va prendre son travailleur le plus bas et il va aller le placer... Oh, en fait, c'est plus ici là, qu'il faut que j'aille regarder. Il va aller le placer ici. Et là... Encore une fois, il va aller donc débloquer un lieu, mais il va débloquer il débloque toujours en fonction du A. Okay? Et là, comme vous pouvez voir ici, le A a 3 verts. Il va toujours débloquer, mais il ne va pas débloquer celle-là, comprenez-vous? Parce qu'on va toujours débloquer un espace du haut avant de débloquer ceux du bas. Donc là, il y a le bleu ici et il y a le jaune qui est là.
Et là, le bleu et le jaune ne sont pas disponibles avec le A, donc on va passer. Je pense que c'est ça. Quand je vais juste être sûr de ce que je vous dis parce que c'est quand même important. Donc, topmost lock location. Donc là, il en reste deux ici parce que je rappelle qu'il ne débloque pas ça ici. Place bottom most available worker. OK. The lens placement, the topmost lock location, topmost worker can satisfy seals and coins. Et là, le rouge est débloqué, le vert est débloqué. If multiple options, the worker left, OK, c'est ça. If the above fails for the topmost worker, try the next worker down and repeat. Alors là, ici, c'est le jaune. Après ça, on va y aller avec le deuxième, donc le B. On voit que le jaune, il y en a trois. Alors, il va donc débloquer celui-là. Parce qu'il y a deux choix. Enfin, non, il y a un choix. C'est celui-là qui va débloquer. OK? Parce que c'est bien inscrit, puis je suis allé voir sur Board Game Geek. Même s'il peut débloquer cela avec le A, il va quand même commencer par débloquer toutes les actions du haut. Et je vous rappelle qu'il va faire l'action qui est inscrite dessus. Alors, il va se prendre 3. Lui, je vous le dis, là, c'est un chef de ça. Donc, là, il ne peut pas me dépasser. Il y en a déjà là. Fait qu'il va aller le mettre à l'endroit où il y en a le moins. Alors, il va mettre ses 3 timbres sur celui-ci. C'est une machine à timbres, ce Alfred. Mais ça me débloque, ça, par contre. Ça me le débloque. Ah, il manque un petit peu d'argent. OK, à date, il n'y a pas personne qui a eu à payer des sous. Là, c'est à moi. Là, je dois vous avouer que j'ai quand même quelques possibilités, parce que là, j'ai mon nouveau personnage qui est juste là. C'est sûr que si je pouvais aller ici, ça me ferait 4 pièces avec mon verre. Ouais. Là. La question se pose. Parce que je pourrais avancer mon bonhomme. Je pourrais aller là. Avec mon bonhomme qui est ici. Donc, il y a deux verres. Je pourrais aller là. Il faudrait que je paye une pièce à mon adversaire, ce que j'aime pas trop. Enfin, à moins que je... Parce que j'ai un, deux, trois. Marie, je ne vais peut-être pas avancer tant que ça. J'aurais peut-être besoin... OK, je pense que... Ah là là! Je pense que je vais prendre celui-là, puis je vais aller le placer ici. C'est drôle, il remplace le vert parce que c'est un saut qui représente n'importe quoi. Donc, le vert va me permettre d'avancer de 2, et je vais avancer que de 1 espace. Alors, je vais avancer que d'un espace et ça va me permettre d'aller me chercher 5 pièces. Alors là, on est quand même en business avec ce que je veux peut-être faire dans les prochains tours. Et boy. Tout est une question. Je vous le dis, tout est une question des fois. Ah, je serais si proche de pouvoir faire celui-là, mais... C'est vrai que ça me coûte maintenant 2 pièces pour aller à un endroit. OK. Je pense qu'on va faire ça. C'est un peu bizarre. Mais on va faire ça. Parce que là, si le prochain, je fais 1, 2, 3. Le prochain, je ferai 1 aussi. OK. On y va tranquillement. Le but, c'est d'essayer de faire le plus grand nombre de points possible. J'ai mon idée. On va essayer d'aller chercher de l'argent. Alors là, c'est maintenant au tour de mon ami Automa. Alors, mon ami Automa qui va jouer le A. OK, bon, il va jouer le A. Alors, il va jouer ici. Il va jouer sur l'endroit qui est le plus bas. Donc, il a le choix d'aller là ou d'aller là. Mais il va aller sur sa couleur. Alors, il va aller ici. Il n'y a toujours pas de personne là. Fait que lui, il va avancer de 3.
sur sa piste. Alors, on suit ça ici. 1, 2 et 3. Alors, il fait toujours les deux dernières actions. Et si vous regardez bien ici... Hey, bonjour tout le monde, c'est Martin du futur. Hey, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu avec la voix plutôt que par l'écrit. Ben oui, pour cette petite règle-là, je voulais absolument vous parler plutôt que de vous l'écrire parce que ça aurait été trop long. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 2, puis j'imagine que vous êtes tous faites partie de la gang qui ont écouté l'épisode 2, vous êtes sûrement rendu compte que j'ai fait une erreur de règle qui est une erreur que j'ai faite dans pas mal toutes mes parties solo jusqu'à aujourd'hui, parce que j'avais mal compris la règle qui était dans le livret des règles. Alors, Alfred, lorsqu'il va faire cette fameuse action-là de bouger sur les îles, il va effectivement faire les deux dernières actions, mais ça inclut les actions d'étudier un nouveau spécimen. Ça n'a pas rapport nécessairement avec ce que je viens de faire là, mais je voulais quand même juste vous spécifier si vous n'étiez pas allé lire les commentaires lors de la dernière vidéo. Parce que c'est mon ami Jean-Roger qui m'a donc mis cette petite règle en tête. Puis je suis retourné dans les vraies règles et oui, j'ai mal interprété parce que Alfred, lui, va toujours automatiquement étudier un spécimen qui va passer par-dessus. Mais c'est une action qui est automatique, mais ça reste une action quand même. Donc ça veut dire que par exemple, s'il bouge de trois espaces et que le premier espace qui traverse, c'est un spécimen, mais il va l'étudier et il va faire les deux actions suivantes. Mais si l'étude du spécimen est, par exemple, la deuxième action, bien, il va pas faire deux autres actions, il va en faire une seule. Bref, ça pour dire que j'ai donné un petit peu trop d'actions à Alfred. Et ça, c'est pour l'ensemble de mes parties que j'ai fait jusqu'à présent de Darwin's Journey. Fait que j'ai maintenant hâte de retourner dans l'Automa. Peut-être éventuellement refaire une partie, peut-être en live, avec cette règle-là, parce qu'il va probablement faire moins d'actions et avancer un peu moins vite. Donc, ça va avoir probablement débalancé un tout petit peu ma partie, mais c'est pas grave. Je continue à avoir du fun et maintenant, vous êtes informés. Alors, on va retourner à la partie. Les deux dernières actions, il va avancer de 2 sur sa piste de connaissance. Donc, 1, 2, il s'avance quand même beaucoup. Et ensuite de ça, il va se faire 4 points. 4 points, ce qui fait en sorte là, que je vais essayer de vous le montrer. Là. Donc, il va passer ici de 34 à 38 points. Il y a une bonne avance. Il y a une bonne avance, mais c'est ça qu'il va faire. OK. Puis, il va lui rester une action. Ah, il est obligé de payer aussi. N'oubliez pas, il paye 2 là, maintenant parce que lui aussi, il a l'avantage. Il est où son avantage que je me souviens de l'avoir vu? Ah, il est ici son avantage maintenant. Fait que lui aussi, il paye 2. Donc, il devait payer 2 parce qu'il est allé jouer là, puis il jouait sur son propre... Alors, moi, je vais retourner là. Je vais payer 2, moi aussi, parce que je suis obligé, parce que je vais jouer sur un livre. Il me reste quand même encore 5. Et là, je vais avancer ici avec mon bonhomme. Je vais me faire 2 points parce que je suis le premier à me rendre là. Et je vais aller découvrir cette magnifique... Ce magnifique spécimen qui est une fleur. Alors, c'est celle-ci. All right. Alors, très intéressant. Et vous allez voir que le prochain, je pense que je vais aller, moi aussi, mettre 2 espèces. Ouais, je ne me ferai pas beaucoup de points au prochain tour, mais quand même, on verra bien. Et là, maintenant, c'est notre ami Automa qui va... Je rappelle qu'il n'y a pas encore 2 fois la même... Alors, est-ce qu'il peut aller livrer? Alors, si on regarde ici, ça a été livré. Donc, il ne peut pas. Il lui reste qu'une seule action aussi, c'est le C. Le plus bas qu'il pourrait aller jouer, c'est celui-là, mais il n'y a pas présentement de saut. Il n'y a que des bleus. Alors, il va aller là. Il doit par contre payer 2 pièces pour aller là. Et en payant les 2 pièces... Il va avancer, alors, de 1 et de 2. Alors, lui aussi, maintenant, il va se mettre un autre explorateur parce qu'il est rendu là. Bon, il a été sauvé à la dernière seconde, c'est quand même quelque chose par rapport à ça.
Et pour ce qui est de moi, ben, je vais aller livrer. Ah oui, si vous saviez à quel point je vais aller livrer, c'est incroyable. J'ai très hâte. Alors, je vais commencer par aller livrer la fleur. Alors, la fleur qui est ici. La fleur qui est justement là. Alors, ma première, elle est gratuite. Alors, on va commencer par aller chercher des pièces. Une, donc dans la colonne 1, dans la rangée 2, 3. Et je suis le premier à en mettre un. Oui, effectivement, parce que ça, c'était déjà là. Alors, je ramasse la pièce. Alors, je ramasse la pièce et je vais me chercher en plus 3 autres pièces. Sans oublier que je me fais aussi 1, 2, 3 livres. Alors, 1, 2, 3 livres. Bon. En passant, on peut utiliser les pièces qu'on a gagnées lors du tour précédent. On peut utiliser les pièces pour payer. Donc là, ça me coûte 3 pièces. Donc, 1, 2, 3. Pour aller en livrer un deuxième. Et le deuxième que je veux aller livrer, c'est celui-là. Alors, je vais aller le livrer ici. Alors, on a fini de ranger, mais il n'y a pas de bonus pour ça. Donc là, je vais chercher les pièces. Donc là, je me fais par contre une seule pièce de plus. Mais des livres, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je l'ai pas pire rattrapé à ce niveau-là. Et ça, je vous dirais, ça fait du bien. Parce que je vais finir la ronde et j'ai pas mal d'argent pour le prochain tour. Puis il y a quelque chose que je dois absolument aller faire au prochain tour. C'est d'aller pour aller me faire des points lors de la prochaine ronde. Fait que là, on a fini. Imaginez-vous donc, on a fini notre tour. Tous les deux. Alors, on est rendu maintenant à la phase qui va me faire mal. OK? Oh mon Dieu. Évidemment, c'est toujours ça. Alors, la phase de correspondance, il est tout seul. Il avance de 2. Il avance toujours l'explorateur le plus à droite. Alors, il va faire 1. Et il va faire 2. Il passe par-dessus moi en passant. C'est comme ça que ça marche, les explorateurs. Et bon, même s'il passe par-dessus moi, il va quand même aller découvrir cette race, cette espèce-là, là, cette plante-là. Et là, il va faire les 2 qui sont ici. Donc, il va se faire 5 pièces. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, zut! Puis, je ferai l'action de là. Et il va se faire 4 points. OK? Donc, 4 points. 1, 2, 3, 4. En plus d'aller chercher, dans le fond, cet objectif-là. Et l'objectif, évidemment, le fait avancer de 3. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et l'objectif, là, lui fait 6 points. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est rendu à 48 points. Ah, OK. Puis là, il ne faut pas que j'oublie qu'il fait également les points qui sont là parce qu'il était sur cette case-là. Alors, ça fait 1, 2. On va laisser ça là. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il est rendu à 54 points. Wow! Ça, c'était juste le premier. Il ne faut pas oublier qu'on enlève donc la moitié round-up. On enlève toutes ces timbres-là. Il les a quasiment tout enlevé, ces timbres. Alors, ici, il va avancer de 1. Là. Il va aller là. Il va payer 1, une pièce, ce qu'il y a en masse, pour aller mettre son dernier, qui va lui donner immédiatement 6 points. Alors, il est rendu à 60. Et il va avancer de 3, 1, 2, 3, sur cette piste-là. OK. Mais il va avancer son bateau de 1 également. Et là, ici, les deux sont... on peut être sur la même case. OK? Fait qu'il vient de me rejoindre. C'est pas une course, là, mais on est quand même bien avancé là-dessus. Et il va perdre son timbre. Ici, on est 2. Fait qu'il va avancer de 2 ici. Et moi, je vais avancer de 1. Moi, je perds mon timbre. Et lui, il en perd également 1. Alors, ça, c'est pour les timbres. Maintenant, pour les points de victoire. Alors, les points de victoire pour ce round-ci, pour ce qui est de l'objectif Beagle, c'est 4 points par rouge. Je n'ai pas de points négatifs et j'ai présentement 2 rouges seulement sur mon plateau. Donc, je me fais 8 points. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, imaginez-vous donc, je suis rendu à 25 points et lui, il est déjà rendu
à 60. Tout est possible. Je vais essayer d'aller chercher le plus de points possible au prochain tour. Il va falloir que j'aille chercher le plus de points possible. En fait, le plus de points possible, c'est quasiment 12. Ça ne sera pas beaucoup. Et lui, n'oubliez pas qu'il se fait 4 points multipliés par la ronde qu'on est rendue. Fait qu'il se fait 4, 8, 12 points. Il se fait 12. Il m'a quasiment rattrapé. Et c'est pas parce que je suis en arrière. Là. Lui, il a 72 points. J'en ai 20. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Ça n'a pas un sapristi de bon sens. Il fait beaucoup trop de points rapidement. Écoutez, c'est incroyable. Puis il se fait beaucoup de points en bougeant. Puis parce qu'il fait les deux dernières actions en bougeant, en exploration, c'est incroyable le nombre de points qu'il se fait. Mais bon, c'est la vie. Que voulez-vous? Alors, puis aussi, il découvre... Aussitôt qu'il passe par-dessus, il triche vraiment beaucoup, Alfred. À comparer de moi, là, il triche quand même énormément. Bon. Puis, tu sais, ces points-là, je ne suis pas capable de le rattraper. Même si je le rattrape, il va toujours finir par en faire plus que moi. C'est quasiment impossible. Bon, on est rendu maintenant dans la phase de nettoyage. Donc, le Beagle, ici, il va s'en aller là. Faut enlever ça ici. Aller en dévoiler deux autres, donc un et deux. Et là, il faut que je me débarrasse de ces trois sauts-là. Et on va monter tous les sauts qui sont ici. Alors, c'est rare qu'aucun saut ait été utilisé pendant cette ronde-là. Quand même. Peut-être que ça ne sera pas le cas à la prochaine ronde, on verra. Donc, on va rajouter un saut rouge, un autre saut rouge, et on va aller en chercher un dernier. Un saut vert. Voilà. OK. Ça, je l'ai avancé. Donc, le prochain Beagle, il est là. Et ensuite de ça, bien, ça, il faut que je le baisse ici parce qu'on va être rendu maintenant à la quatrième ronde. Et voilà, je pense qu'on est déjà prêt pour la quatrième ronde. Et là, wow, ça sera pas facile, mais tout est possible et tout est faisable, je pense. En tout cas, on verra bien. Je reviens dans deux instants. Alors, j'avais oublié de replacer mes ouvriers, donc là, je l'ai fait. Alors, c'est au tour d'Alfred qui est toujours le premier joueur. Alors, il y avait deux actions de livraison. Donc, j'enlève ça. Au moins, j'ai coupé l'herbe sous le pied pour ce qui est d'aller livrer celui-là, ici. Ça, c'est fait. Alors, Alfred qui est quand même un automate assez agressif, je dois vous avouer. Là, je vous dirais que ce que j'aimerais faire, c'est définitivement d'aller donc débloquer un saut. Ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. On va voir si c'est possible. Alors, Alfred, qui va commencer. Ah, mange un char, Alfred! Colique! Alors, Alfred, qui va aller là et qui va aller débloquer un saut. On va voir si c'est possible, premièrement, parce qu'il veut débloquer le saut qui est là. Alors, il ne peut pas le faire avec le premier bonhomme, c'est sûr. Il ne peut pas le faire avec le deuxième, mais il peut définitivement le faire avec le troisième. Dans l'ordre, dans le fond, peu importe l'ordre, est-ce qu'il peut... Parce que là, ça, c'est une autre affaire, par contre. Tantôt, quand je lui ai fait... Ça, c'est une autre chose que j'ai oublié, je pense. Je suis sûr que Martin du futur vous l'a dit. Mais quand Alfred a débloqué ça ici, il n'a pas payé le 4. Ça coûtait 4, donc je vais y enlever 8 pièces. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Donc, peut-être qu'il a avancé un peu trop vite, mais... Je le rectifie à ce moment-là parce que Alfred doit payer également ce que ça coûte. Là, fait que là il y a pas mal moins d'argent pour avancer sur la piste. C'est important quand même. Et n'oubliez pas qu'il va faire les actions qui sont dessus. Alors, il va bouger de 3. Donc, il va faire 1,
2 et 3. OK, parce qu'il prend toujours le plus long. Donc, il va se faire 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et là, il ne peut pas placer... Là, il ne peut plus placer de tente parce qu'il n'y en a plus de tente à placer. Donc, ça se termine là pour lui. Fait qu'au moins, ça n'aura pas été trop avantageux. Mais... parce que j'ai rectifié un peu le tir. Mais là, moi, si je vais aller là, je peux y aller. Ça va me coûter 2 pièces. Puis j'ai pas le choix parce qu'une des dernières actions, c'est ça va me donner 5 points par lieu que j'ai débloqué. Puis là, qu'est-ce que j'aimerais bien aller débloquer de mon côté? OK, ben je vais... Attendez, avant de faire ça, oui, j'ai pas le choix. Donc, je vais prendre mon bonhomme qui est ici. Non, lui, il ne retournera pas jouer là. Fait que je pense que ce que j'ai... Ouais, c'est parce qu'il y a ça que je vais aller faire ici. Ça, j'ai besoin d'argent. Oui, là, j'ai pas le choix. OK, je change mon fusil d'épaule. Je vais aller jouer là, ici. Donc là, quand on va jouer là... Donc là, je peux faire 2 recherches au musée. OK? C'est comme des microscopes. Alors, le premier est gratuit. Donc là, je vais décider d'aller étudier le jaune qui est juste là. Donc, lui qui est ici, donc le bonhomme jaune. Je vais aller sur mon plateau et je vais aller placer ça ici. Le pire, c'est que je peux le faire une deuxième fois. Ça va me coûter 3 pièces, par contre. Donc, je vais prendre mon 5 pièces qui est ici. Alors, il va m'en revenir 2. Et là, je vais aller étudier le vert qui est juste ici. Donc là, je prends encore un seau et je vais aller le mettre sur le vert. Alors là, vous allez vous demander pourquoi je fais ça. C'est parce que dans la prochaine ronde, je vais faire 6 points par espèce d'oiseau que je vais avoir réussi à étudier. Et là, présentement, j'en ai 2. Fait que je vais me faire au moins 12 points. Mais là, je vous rappelle que lui, il va faire 4 fois 4, il va s'en faire 16. T'sais, il faudrait que je me fasse plus que 16 points. Ça n'a pas d'allure comment il se fait des points. C'est comme un petit peu, je vous dirais, un peu impossible, j'ai l'impression, que je puisse gagner. Il est vraiment beaucoup trop fort. Mais bon, ça nous permet quand même de nous amuser et d'avoir du fun. Ce que j'ai du fun. Et là, c'est la fin de mon tour. Et là, j'ai au moins 20 points. J'en ai pas 76, mais j'ai au moins 20 points et j'ai 2 espèces jaunes, donc je peux réussir celui-là. Et je vous dirais que je vais aller ici. Ouais, OK. Je vais aller le placer ici. En allant le placer là, ça va me donner 3... Il faut que je paye 3 sous. Donc, j'ai 3 sous ici que je vais payer. Et là, je me débloque un de ces sous que je peux placer ici sans payer la pénalité. Alors, je le mets là. Ce qui fait que je vais probablement considérer ça comme 3 rouges. Donc, il me manque juste un jaune. En tout cas, ici, celui-là peut être n'importe quoi. Donc, c'est ce qui fait en sorte que... Non, je pourrais pas aller n'importe où encore. Mais là, je débloque... Ça, je ne l'ai pas expliqué encore, mais celui-là, je débloque l'expérience qui est donc argentée. Ce qui fait en sorte que... Je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, il y a toutes des petits espace argent puis doré. Donc, si avec cet ouvrier-là, je fais une des actions, je vais avoir l'avantage qui est dessus. Fait que ça peut être quand même assez intéressant. Je vous dirais. Donc, ça, c'était mon action que j'ai faite pendant mon tour. OK. Ben, c'est pas si pire. On va jouer de même. On verra. Et depuis que j'ai arrêté, j'arrête pas d'analyser le tableau. Je vous le dis, c'est un jeu qui, moi, me met beaucoup de paralysie d'analyse. Mais Alfred, il est vraiment agressif. Puis, n'oubliez pas que j'ai pas pris le niveau de difficulté le plus simple.
Là, ça, c'est le bleu. Et selon la mise en place ici, qu'il y a, le bleu, c'est moyen. Alors, juste pour vous dire, les jaunes, verts, c'est des avancés. Fait que, puis le blanc, j'ai passé proche de te battre. Il est moins agressé, il fait moins de points. Mais en tout cas, on a du fun. On va se rendre au bout. Fait que là, il fera pas ça une deuxième fois. Alors là, il va prendre son bonhomme B, qui est ici. Et le bonhomme B, il va vouloir aller le placer, évidemment, sur le plus bas. Et il va aller faire de la correspondance. Alors, il va commencer par prendre lui, pour 1, pour 2 et pour 3. Il va aller les placer à l'endroit où il y en a le moins. Alors, c'est ici qu'il y en a 3. Et là, il ne faut pas oublier que là, il vient complètement de vider ça ici. Il va avancer de 3, 1, 2, 3. Et là, il va faire l'action. Puis, il va bouger de 1, 2 et 3. Que ça en fait beaucoup. Il est rendu loin ici, rendu à x12. Mais c'est toute l'action qu'il faisait en faisant ça pour sa deuxième action. OK, fait que là, c'est à mon tour et là, je jongle avec plusieurs idées depuis tantôt. Donc, c'est sûr que là, ici, parce qu'il faudrait... J'ai pas d'argent, mon problème. Le problème dans ce jeu-là, c'est vraiment le fait d'aller chercher de l'argent puis de faire des combos. J'ai pas la possibilité de faire beaucoup de combos. C'est pas vraiment pour moi. C'est sûr que si je veux, j'ai l'argent qu'il me faut, je pourrais aller là pour avancer mon bonhomme de 3. Mais là, mon but, c'est de faire de l'argent. Là, je pourrais aller faire 1, 2, 3, ou je peux faire 1, 2. Et là, si je vais faire celui-là, qui va là, je ne ferai pas d'argent, mais je vais faire plein de points de connaissance. Mais je ne ramasserai pas d'argent. Puis je l'empêcherai de faire 3 points. Puis je pourrais aller me chercher de l'argent là, aller me chercher un autre objectif. Où je pourrais avancer lui de 1, 2, 3, qui ne me donnera pas plus d'argent. Ou si je veux, je pourrais prendre celui-là pour aller là pour avancer de 3. Donc, je pourrais faire aller ici pour 1. Je vais faire 4 pièces. Mais il faudrait que je revienne à un autre moment donné. Mais j'ai pas d'autre bleu. Fait que faut que j'y aille. Parce que je préfère 1, 2, 3, puis me rendre jusque-là. Ah, mais je pourrais me rendre ici, par contre. Mais ici, je me fais pas beaucoup d'argent. Je pourrais mettre mon autre personnage et essayer de bouger sur cette piste-là. Mais je me fais pas d'argent. Oh là 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 là. C'est pas évident. Tout est une question d'argent. Faut que j'aille me chercher l'argent. Faut que j'aille me chercher l'argent. Où j'aime chercher de l'argent. Quels sont les meilleurs endroits? Ici, je peux aller me chercher de l'argent avec 2. En haut, je peux complètement aller en haut pour aller me chercher 3. 3 pièces. Sinon, il y a toujours ici sur le plateau, mais 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je pourrais aller le vert? Je pourrais bouger de 3. 1, 2, 3, 4. Ça me prendrait du cash. À moins que je fasse 1, 2, 3. OK, je pense que... OK, on va y aller, on va le faire, c'est la vie. Je vais aller ici. Ça va me coûter... Ça va me coûter une pièce parce que j'utilise une place de verre. Et c'est vraiment fatigant. Mais j'ai pas le choix. Donc, puis là, je vais prendre un raccourci ici. 1, 2... 3. Je rappelle que moi, j'arrête pas là, fait que je le fais pas. Il faut vraiment que j'arrête dessus pour pouvoir le faire. Donc là, en arrêtant là, je me fais 3 points. Donc 1, 2, 3. Et en plus de ça, je me ramasse 3 pièces. 1, 2, 3. Donc je me ramasse 3 pièces.
Et je me ramasse un des objectifs qui est là. Celui que j'ai le plus de chances de peut-être éventuellement réussir, c'est celui-là. Mais bon Dieu. Alors, c'est un argent, je vais le mettre ici à côté parce que j'ai une place. C'est ce que j'ai fait pendant mon tour. En passant, j'aurais pu... Non, pas avec lui. Pas avec lui. C'est vrai. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Tout est une question d'argent dans ce jeu-là. Alors, lui, il ne voudra pas aller là. Il va aller jouer son A. Alors là, je viens de voler à place, fait qu'il ne peut pas aller là. Alors, est-ce qu'il peut aller jouer sur le bleu? Non, mais il peut aller jouer sur le rouge parce qu'il y en a deux. Alors, il va aller jouer sur le rouge. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en allant jouer sur le rouge, alors, ça va coûter une pièce, puis il va m'a donner. Alors, merci beaucoup, mon cher ami. Et là, il va remplir des sauts. OK, fait que là, il va aller s'en chercher deux. Lui, je vous rappelle, c'est gratuit partout. Alors, il va aller chercher ceux qui sont les plus à gauche parce qu'il n'y a plus... Donc, il va commencer par remplir la partie du haut. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Alors, on va commencer par ça. OK? Donc là, ici, à cause qu'il est allé chercher le saut rouge, ça y est avancé de 4. Et là, il va avancer de 3 ici. Il va faire 1, il va faire 2, il va faire 3. Donc, c'est excellent. Il a avancé. Mais là, il peut aller s'en chercher un deuxième. Et là, il va aller en bas ici. Il va aller chercher celui qui coûte le moins cher, qui est le plus en haut à gauche. Parce que là, il n'y a plus de restrictions, là, de choix. Là. C'est comme ça. Alors, on va le mettre ici. Et il va bouger de 1, 2. Et il va se faire 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on est à égalité. Sauf que lui, il a 50 points de plus que moi. Ridicule. C'est ridicule. Oh, j'ai pas l'impression qu'elle ferait des balancées ou c'est vraiment moi qui joue mal, mais j'ai pas l'impression de jouer si mal que ça, mais bon, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire que je joue pas super bien. Peut-être que vous avez raison. Mais c'est comme ça. Puis là, en passant, il a joué là. Faut qu'il, ça y coûte 3, hein? 1, 2, 3. 1, 2, lui, c'est vrai. Ça y coûte 2 maintenant. À cause de ça, là. Donc, il est comme moi. OK. Fait qu'il fallait pas que j'oublie ça. Fait qu'il n'y a pas énormément d'argent, mais il est quand même allé chercher des sauts. Puis il a fait ce qu'il voulait. Bon. Ben, c'est niaiseux, mais si j'étais capable d'avancer encore. Un, deux. Si je pouvais aller là. Où je vais là? Intrigué. J'ai ça ici que je t'avais d'avoir, là. C'est sûr que... C'est sûr que je pourrais aller me chercher des sauts. Ouais. OK. Ouais, sauf que j'aurais pas assez d'argent pour placer les deux sauts. Encore une fois, c'est une question d'argent. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais quand même faire ça? OK, je pense que je vais le faire. OK. Donc là, je vais prendre ce travailleur-là et je vais prendre deux bleus. As-tu besoin de temps que ça? Non, j'ai besoin juste de bouger de deux. Fait que je vais aller ici. Et en allant là, en passant, je peux bouger de plus un. Je pourrais bouger jusqu'à trois parce que j'ai pris ce travailleur-là. Mais n'oubliez pas que je suis obligé de payer deux pièces parce que je suis sur un livre où il y a quelqu'un. Et là, je vais faire un et je vais faire deux. Sauf que là, si je fais ça, je vais perdre 4 points de mes 12 points que je fais. Mais c'est pas grave. Je le fais pareil. Ah non! Ça donne rien. En passant, j'ai oublié que lui, en allant là, ici, il se met un personnage là, puis il n'a pas bougé. Il a pas bougé de personnage encore dans ce tour-ci. Hmm.
Ah, c'est incroyable. Oh! C'est la paralysie d'analyse à son meilleur. C'est de la paralysie d'analyse à son meilleur. OK. Je change mon fusil d'épaule. OK, donc je reprends ça. Je reprends mes deux pièces. Donc je fais pas ça. À la place. Je pourrais avancer de 3. Non, mais non, Martin. Ben oui. Mais oui, je pourrais avancer de 3 en allant ici. Je pourrais faire 1, 2, 3. Et là, je pourrais me prendre n'importe quel saut parce que je peux mettre un saut de n'importe quoi. Et je pourrais aller me chercher un jaune. Puis ça me permettrait de faire ma carte qui est ici, d'avancer de 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fera en sorte que je ne serai pas trop loin de lui en arrière. Je me fais 5 points. Il y a tellement de possibilités. Ou... C'est parce que lui, il va se faire des points en plus finir. OK, fait que je vais reprendre mon idée de départ. Alors, je vais aller là. Avec lui ici. Alors, ça va me coûter 2 plus 1 que je donne à mon ami ici. Et je vais avancer de 4. 3 plus 1 parce que je fais cette action-là avec lui. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Et là, moi aussi, je peux mettre... C'est le seul lieu, d'ailleurs, où il peut y avoir deux explorateurs à la file, à la suite. Ouais. OK. OK. C'est au tour de mon ami. Alors, mon ami, lui, tout ce qu'il va faire, ben, tout ce qu'il va faire, c'est quand même pas super. Il va prendre son dernier bonhomme. Puis, son dernier bonhomme, il va aller, pas aller le placer là, il va aller le placer ici à gauche. Puis, il va avancer de 4 sur sa piste qui est juste ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Et étant donné qu'il a passé, il va avancer de 3 sur la piste qui est juste ici. Donc, 1, 2 et 3. Il avance vraiment beaucoup sur cette piste-là. Il va me détruire. Mais me détruire assez royalement, en espérant que je n'ai pas fait des erreurs de règles ou trop d'erreurs de règles. Je pense bien suivre l'automa comme il faut, là. Puis moi, mon dernier, ben j'ai plus grand choix. Je ne peux pas rien aller livrer parce que tout est fait. Il me reste une seule pièce. Non. Il me reste une seule pièce. Donc ça veut dire que je ne peux pas aller jouer à nulle part en haut. Hey, ça c'est pas le fun, ça. Il n'y a pratiquement aucun endroit où je peux faire quelque chose. Écoutez, je pense que malheureusement... Hey, ça c'est... Oh, mon Dieu Seigneur, que c'est pathétique, mais pathétique. C'est quasiment honteux, en fait. C'est honteux. J'ai oublié de vous présenter le tableau, là. C'est ça la situation. Donc là, j'ai plus d'argent. Il me reste juste une pièce. Fait que je ne peux pas aller jouer en haut. À nulle part. D'ailleurs, lui... Non, il vient d'aller jouer là. Fait que c'est bon. J'ai rien à lui livrer. Je ne peux pas aller jouer là parce que j'ai pas de pièce. Je ne peux pas aller jouer parce que j'ai pas d'argent. Donc les deux seuls endroits que je peux aller, c'est là pour aller me chercher un objectif que je pourrais probablement pas atteindre ou aller en haut pour aller me chercher 3 pièces. Alors, mesdames et messieurs, je vais faire la pire des actions qu'on peut faire dans ce jeu-là. Et je vais aller me chercher 3 pièces. Et voilà! Oh!
ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Mais probablement que vous allez mieux jouer que moi parce que vous êtes meilleur stratégiquement parlant. Mais je vous rappelle que j'ai bien joué la dernière fois. Je pense que c'est les objectifs en bas qui ne m'aident pas. Fait que là, on s'entend que les correspondances, et ça, c'est une des affaires que je n'ai pas faites dans la partie précédente, c'est de le laisser vraiment à ce niveau-là. Alors, il va avancer de 2 ici sur la piste. Donc, si on regarde la piste de la correspondance, là. Donc, il prend tout le temps celui qui est le plus à gauche, plus à droite ici. Donc, il va faire 1, il va faire 2. Il va faire les deux dernières actions, mais celle-là, c'est automatique. Alors, il va aller sur son plateau personnel et il a vérifié celui-ci. Okay, donc, il a trouvé lui. Et en plus de ça, ben, si on regarde comme il faut, il se fait 3 points. Il se fait 3 points. Donc, il se fait, mesdames et messieurs, imaginez-vous donc, 6 points supplémentaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, ça ressemble à ma première partie que j'ai jouée. Et en plus de ça, il va se ramasser un jeton, mais lui, il ne se ramasse pas de jeton, il va se faire 1, 2, 3 pièces. OK? Donc, on enlève son timbre. Ensuite, ici, il va avancer de 1, donc il va aller là, mais il n'y a plus de... il n'a plus de tente à mettre, fait que ça s'arrête là pour lui, fait que ça, au moins, c'est bon. Et il va aller s'installer ici avec son bateau. Donc là, il va perdre 2 timbres. Et finalement, il va avancer de 2 sur la piste ici. Et il va perdre son timbre. Donc là, on s'entend qu'il n'y a plus grand timbre en place. Moi, je n'ai plus rien faire. Moi, je me fais 6 points par plume que j'ai. Alors, j'en ai 2 ici. Donc, je vais me faire 12 points et je n'ai pas de négatif parce que je suis plus loin que le HMS Beagle. Donc, je me fais 12 points quand même. Alors, 12 points, ça fait... Ici, je me rends à 40 points. Alors, c'est terminé. Et lui, je vous rappelle que là, il se fait 4 x 4. Il va se faire, lui, de son côté, 16 points. Donc, 16 points, ça fait 44. Donc, il se rend à 50. Donc, il est rendu à 100 points. Et je vous rappelle que moi, j'en ai 40. On a 60 points de différence. C'est beaucoup. ça, c'est des rires de quasiment de honte, mais bon, c'est pas de la honte. Fait que voilà pour ce qui est des points qu'on pouvait faire avec ça et avec le Beagle. Et là, ensuite de ça, ben, on va ramasser, faut pas oublier d'aller ramasser nos gentils petits ouvriers. Alors, on va aller les chercher. 1, 2, 3, 4. Alors, 3... Et 4. Et ben là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est abaisser ça ici. Donc, on va être déjà rendu à la... Ben, déjà. On va être rendu à la dernière ronde. On enlève celui-là. On tourne ici. Donc, on en tourne 2 autres. Et voilà, ben, on est rendu, imaginez-vous donc, à essayer de terminer cette partie-là en beauté. Alors, vous êtes prêts? On y va maintenant. Alors, allons-y, on va terminer ça en beauté, si vous le voulez bien. On va voir si c'est en beauté. Alors, est-ce qu'il peut livrer? Ben oui, il peut en livrer un. Fait qu'il va prendre le dernier ici. Il va aller là. Et celui qui peut aller livrer, c'est celui qui vient d'aller chercher, qui est celui-là. Donc, le fameux coquillage. Alors, effectivement, c'est celui. Donc, on va se rendre ici sur le plateau. Alors, il va aller le placer... Là, oui, ici. Alors, il va se faire une pièce. OK, une seule, que je viens de mettre sur son plateau. Il va se faire ensuite 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à cause de ça qui est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est quasiment au maximum. Alors, on ne peut pas avoir plus de points que ça. Écoute, moi, on ne s'est jamais rendu jusque-là. Et là, c'est assez incroyable l'avance qu'il a à ce niveau-là. D'ailleurs, il va falloir, je vois s'il arrive quelque chose, s'il arrive au bout, mais j'imagine qu'il ne se passe rien. Là. Il doit perdre... Je vais vérifier s'il se passe quelque chose. Je regarde pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Non, il y en a de se passer absolument rien. Alors, voilà. Fait que ça, c'était son action parce qu'il n'a pas une deuxième. Il ne peut pas aller en livrer un deuxième, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Alors ça, c'était son action.
OK. Attends, ça, c'est les cartes. Bon, là, moi, de mon côté. C'est sûr que j'ai 4 pièces. Je pourrais aller débloquer là, mais j'en ai pas assez. Malheureusement. Alors, ça serait le temps d'aller me chercher des pièces. Encore une fois. Peut-être en allant voyager un petit peu. Ou j'en profite pour aller me chercher des seaux. Ah, j'ai oublié les seaux, là, la dernière ronde, encore une fois. Donc, il faut que je monte ça, ici. C'est pas quelque chose que j'oublie souvent, pourtant. Ça doit être ma... Je commence à être un peu déçu de ma performance. Et quand c'est filmé, j'aurais mieux avoir filmé ma deuxième partie que celle-ci. Mais bon. C'est des choses qui arrivent dans notre vie. Et le but, c'est d'avoir du plaisir. Et là, je continue quand même à avoir beaucoup de plaisir. Il reste que je pense que je vais... Il y a tellement de choses que je peux essayer de faire. Donc là, c'est 5 points par... Faut que j'aille me chercher de l'argent. Faut que j'aille me chercher de l'argent. Je pense qu'une des seules façons que j'ai d'aller me chercher de l'argent présentement, je pourrais bouger de 2 pour aller m'en chercher 3 qui est là. Puis d'avancer de 2 sur la piste. Je pense que j'ai envie de faire ça. OK. Donc, j'ai juste besoin d'avancer de 2. Mais ça me prend 2 bleus pour ça. Non, ça me prend 1 bleu. Donc, je peux prendre celui-là pour aller jouer là. Parce que lui, c'est n'importe quelle couleur. Et là, je peux avancer de 2. Donc, je vais avancer... Ah, en passant, le Beagle, il s'en va ici. Là. Okay, pour la... J'ai oublié encore, c'est une affaire que j'ai oublié dans le nettoyage. Alors, je vais faire 1 et je vais faire 2. Il va aller là. Et donc, je vais me faire un grand total de 3 pièces supplémentaires. Donc, 1, 2 et 3 pièces supplémentaires. Et je vais avancer de 2 sur cette piste-là. Le but, c'est de rajouter. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais changer ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais changer ça pour avoir un 5. Le but, c'est de débloquer un autre lieu. On a peut-être des possibilités intéressantes qui pourraient s'en venir. On va voir ce qu'on va faire. On va voir parce qu'il n'y a toujours pas deux actions de comme ça ici. Donc, on continue. Il va aller jouer son A. Alors, son A, il a le choix d'aller là où rouge va aller sur le vert. Et il va avancer de 3 espaces. Alors, il va faire 1, il va faire 2 et il va faire 3 espaces. Celui-là, il le fait automatiquement. Donc, il fait une vérification du genre de bonsaï qui est là. Et là, il va faire les 2 actions. Donc, première action qui va se faire, c'est 2. Là, on les prend dans les usagers. Alors, il va se mettre 2 timbres. Et il va se faire 3 points, donc 103 points. Et ici, il va aller prendre un objectif. Et l'objectif va le faire donc avancer de 3, 1, 2, 3, donc il ne se rend pas encore au bout. Et il va se faire 5 points de plus. Il se fait des points partout. Et je vous le dis encore... Cet aspect-là qui fait les 2 dernières actions, et oui, celle-là, ça ne compte pas. J'ai vraiment vérifié, c'est vraiment les 2 dernières actions. C'est incroyable comment il finit par avancer sur l'ensemble des pistes. Alors, son tour était fait, mais dans tout ça, il n'y est pas. Donc, je pense que je vais prendre celui-là pour aller le mettre ici.
Et là, je vais payer 5 pièces. Et je vais aller placer. Parce que si je mets 4, 1, 2, 3, 4, je dépasse le HMS Beagle, puis je peux commencer à faire des points ici. Quand même pas pire. Fait que je pense que je vais aller débloquer celui-là ici pour mes 5 pièces. Et là, je peux faire l'action qui est là, qui est d'avancer de 4. Donc, je ferai 1, 2, 3, 4. Et là, en allant là, je me fais 2 points. Donc, je suis rendu à 42. Je vais finir par arriver. Parce que j'aimerais quand même réussir ça ici. D'en faire au moins une carte d'équipage. Mais c'est le prix que ça m'a coûté. OK. Fait que là, c'est à son tour. Et là, c'est sûr. Ah, mon Dieu, il ne le fait pas encore. Ça va être la dernière carte, c'est sûr. Alors, il va aller prendre le B. Il va aller jouer donc sur le plus bas qui est ici, mais il ne peut pas se rendre. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de couleur. Donc, c'est là ou là ou là. Il y a les jaunes. Alors, il va aller jouer ici. Il va se mettre 3 correspondances, puis il va les mettre en bas ici. 1, 2, 3. C'est comme ça qu'il va jouer son tour. Il m'en reste 2. Je pense que... Est-ce que j'y vais avec ça? J'aimerais bien avancer mon bonhomme ici. Si j'étais capable de bouger 1, 2, 3, 4, je me ferais quand même 8 points en me rendant au bout, ce qui serait un beau support moral, au moins de faire un certain nombre de points. J'ai juste 2 pièces, par contre. J'en ai pas tant que ça, des pièces. Bon, là, faut pas que j'oublie, là. Attendez, là. Parce que, encore une fois, là, lui vient d'aller jouer ça. Bon. Le premier tour, il a joué là. Moi, je suis allé avancer mon bateau de 2 pour aller chercher l'argent. Ensuite, lui a joué son A, mais j'ai oublié de faire payer 3 pièces encore. Mais en fait, c'est 2. 2 pièces parce qu'il est allé jouer là. Ensuite, moi, je suis allé jouer là, et là, lui vient d'aller jouer là. OK. Fait qu'au moins, il y a ça. Écoutez, c'est parce que je ne pourrais pas jouer le full. Il me manque de l'argent encore. Il me manque de l'argent. J'ai pas joué non plus beaucoup de temps. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses à penser, et j'ai mieux joué lors de ma dernière partie, parce que, justement, il faut prendre ces espaces-là. Je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui. Puis, je pense que je me suis trop attardé là-dessus. Puis, ça ne me donnera pas tant de points que ça, dans le fin fond du fond. C'est ça, je pense, la problématique. Puis là, j'essaie de faire ça, mais c'est peut-être pas ça le plus optimal des coups que je peux faire. Je pense que le plus optimal des coups que je peux faire... Mon Dieu, j'ai vraiment une petite coccinelle sur mon... Je fais des vérifications de... le coup optimal, ici, je ne peux pas aller là. 2-2, non, je ne peux pas. Donc ça, je n'ai pas travaillé pour ça non plus. Je m'excuse, hein, je suis vraiment en paralysie d'analyse présentement. Le coup le plus optimal que je peux jouer, est-ce que c'est d'aller chercher des sauts? Mais si je fais ça, je suis obligé de payer mes 2, je n'aurai pas d'argent. Donc, non, c'est pas ça.
Ça, je ne peux pas le réussir, ça me prend 10 pièces, on oublie ça. L'autre qui est là-bas, je ne pourrais pas le réussir non plus. Fait donc, ce qui me reste pas mal à jouer, c'est, je pense... Hey, je suis vraiment désolé, Seigneur. Ça, si je vais là, ça ne me donne rien parce que je ne peux pas les installer. Si je vais placer des... Je pourrais en placer trois. OK. Mais trois, ça ne me libérera pas un endroit. Mais sinon, je peux-tu aller sur... Oui, je pourrais aller là. Mais ça me donnerait-tu quelque chose? Non, parce que j'aurais pas plus d'argent. OK. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui pour aller l'installer là. Et en l'installant là, ça va me coûter 2 pièces, mes 2 dernières. Mais, ah non, mais non, Martin, il se passe pas ça. C'est celle-là que je vais aller placer là. Parce que lui, j'ai le argenté, donc là, je vais pouvoir mettre 3 timbres que j'ai pris n'importe où parce que j'en défais pas pour l'instant. Et de mes 3 timbres, je vais en mettre 1. Non, je vais en mettre 1. 2 là. Puis je vais en mettre 1 là. Là, on est à égalité. Alors, en étant à égalité, on fait tous les deux celui du haut. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Vous le savez, vous, hein? Vous avez... Si on est à égalité... Ça, je pense que c'est dans les règles de base. Si je vais mettre des timbres... Correspondance... Les timbres peuvent être défaussés. Au cours de la force des récompenses, certains timbres peuvent être défaussés de la coupelle à timbre usagée à proximité des enveloppes. En écoutant une action correspondance, sur votre plate. OK, c'est pas celui-là. Donc, il faut que j'aille voir. Allez, je vous trouve ça, là. Excusez-moi de vous faire perdre votre temps. Donc, il faut que je regarde ici dans majorité de correspondance. Le joueur possédant le plus grand nombre de timbres sur une enveloppe peut exécuter les actions en cas d'égalité. Tous les joueurs égaux exécutent les actions associées. C'est bien ce que je pensais. Je voulais juste être sûr pour ne pas vous induire en erreur. Fait que j'ai fait ça. C'est tout. Et là, lui, il va jouer le dernier. Et là, c'est là que c'est un peu spécial parce que il va aller jouer ça. Est-ce qu'il va jouer même s'il y en a un qui est déjà là? Je pense que oui. Ouais. Donc, est-ce qu'elle ferait un delivery? Oui, il y en a une ici en bas. Donc, il y a les fameux bonsaï. Et là, c'est là qu'il va aller placer ça ici. Donc, ça veut dire qu'il va prendre le dernier puis il va aller l'installer là. C'est ça que ça veut dire. Mais là, il n'y a pas besoin de payer. Avoir autant de nombres qu'on veut, puis en délivre juste un. Alors, il ne se fera pas de pièces, mais il va se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 connaissances. Et là, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on arrive au bout de la piste? Bon, ben d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de... Donc, c'est le maximum qui peut se rendre, c'est d'ici à 36. Alors, ça s'arrête là pour lui. Il a fait tout ce qu'il avait à faire au niveau de... Au niveau de cette livraison-là. Puis lui, il a fini ses actions. Donc, il a terminé ses actions. Et on voit qu'il était très axé sur le mouvement ici, là-dessus. Il va se faire des points comme un malade. Alors que moi, ben, il me reste un bonhomme jaune-vert. J'ai plus d'argent. Donc, le seul endroit que je pourrais jouer, ça aurait été ici. Mais il me manque un jaune et j'ai pas de... J'ai pas de rien. Donc, malheureusement, ça va être...
Ça va être très bidon comme dernière action, ce qui vous prouve que je n'ai vraiment pas optimisé. Alors, je vais aller jouer ça là. Je vais aller prendre ça ici, que je, juste pour vous montrer que je mets ici, parce qu'il est déjà, j'ai déjà un argent qui bloque la zone de réserve, donc je suis obligé de le mettre à un endroit précis que je ne pourrais pas faire. Et je me fais deux pièces. Et c'est comme ça que ça se termine. Alors là, on va finir la ronde comme normal. Alors, en finissant la ronde, on voit qu'Alfred, lui, a utilisé toutes ses cartes dans cette section-là. Alors, on va commencer par les correspondances. Au moins, les correspondances, les deux, on va le faire. Dans quel ordre? Ça va être sûrement dans l'ordre du tour. Parce que ça peut avoir un impact avec Alfred. Mais pas dans cette partie-là. Parce que là, lui, il va avancer de 2. Alors, il va faire 1, puis il va faire 2. Et là, regardez-moi ça, le nombre de points qu'il va se faire. C'est pour vous montrer à quel point c'est incroyable. Donc là, il était là. Il se fait 4, 5, 6, 7. Il se fait 13 points. Il se fait 13 points. 8, 1, 2, 3. Il est rendu à 121. Puis ça, ici, malheureusement, ça ne donne rien. Alors, il va perdre ici. Puis moi aussi, j'avance de 2. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le plus avantageux pour moi? Qu'est-ce qui pourrait être le plus avantageux pour moi présentement? En avançant de 2. Je vous dirais que l'affaire la plus avantageuse pour moi, c'est probablement d'avancer celui-là, faire 1 et 2, et d'aller me chercher un jeton ici qui ne me donnera absolument rien, là, c'est ce jeton-là, mais de me faire également un grand total de 3 points. Donc ça veut dire que je me fais 3 points. Donc 1, 2, 3 au moins. Est-ce que je vais atteindre le 50 points? Ça ne sera pas le fun. Alors ça, c'était pour celui-ci. Là, tous les deux, on est égal aussi. Donc, il peut avancer de 1. Alors, il va avancer ici, puis il va se faire 8 points supplémentaires. Alors, ça sera à 129. Et là, moi aussi, on fait les deux. Là. Moi aussi, j'avance de 1. Alors, je vais aller... Ouais, je vais le faire, là, celui-là. OK, je vais aller... Enfin, j'aurais pas aller là, hein, c'est vrai. Niaiseux d'épais. Non, je vais rester là. Parce que ça va être plus avantageux pour moi d'aller ici, de payer mes 2 sous que j'ai et d'aller me placer une petite tente. Je me fais 2 sous parce que vous le voyez. Je me fais 2 sous parce que c'est ça que je fais avec cette tente-là. Et là, je me fais 8 points. Ah, yes! 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc, 6, 7, 8. Bon, là, on parle. Au moins, je vais avoir fait le tour une fois. Je vais avoir fait le tour une fois. Et nos bateaux avancent d'un. Donc, lui, il s'avance là. Fait qu'il se fait 3 pièces. 1, 2, 3. Mais il ne peut plus avancer sur la piste qui est là. Fait que ça s'arrête là. Et moi, j'avance de 1 aussi. Pouf. Et je me fais 3 autres points. Donc, 1, 2, 3. Excellent. Donc, on enlève les timbres. Et là, lui, ici, ben, il se fait 2, mais il est déjà à son maximum. Il ne peut pas s'en faire plus. Alors, ça s'arrête là pour lui. Il va perdre ses 2 timbres. Vous allez voir, on ne pleure pas sur son sort. Alors, c'est fini pour la correspondance. Là, le nombre de points. Alors, moi, je me fais 10 points. J'ai dépassé le Beagle, le HMS. Donc, je me fais vraiment 10 points supplémentaires. Donc, 10 points, ça me rend quand même jusqu'à 16 ici. Et lui, il se fait 4 fois 5, 20 points, mais il est 5 points en arrière. Y a-t-il un avantage? Je veux juste être sûr. Y a-t-il un avantage qui fait en sorte qu'il perd moins de points? Donc là non. Donc non, il ne perd pas moins de points. Comme moi, j'en ai un avantage ici, maximum 2, mais lui, il ne l'a pas sur son plateau. Alors, il n'a pas cet avantage-là. Donc, il perd 5 points. Donc, il va se faire seulement 15 points. Okay? Donc, 39, 1, 2, 3, 4, 5. All right. Alors là, on est rendu à la fin, au décompte de fin de partie. Et là, les décomptes de fin de partie, c'est ça qui est bien spécial. C'est que, en théorie, Alfred et nous, on fait le même décompte de fin de partie. Sauf qu'Alfred a bien des affaires que lui a faites pendant le tour. Et c'est pas excessivement clair dans les règles, mais on va y aller quand même de cette façon-là. Alors, on y va. Pour le décompte de fin de partie, c'est écrit les joueurs
gagne des points de victoire pour chaque objectif accompli. Alors ici, moi, je me fais 4, 5, 6, 7 points supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points supplémentaires. Mais lui, il n'y a pas d'objectif. Donc, il ne se fait pas de points. Un joueur gagne 4 points supplémentaires s'il accomplit les objectifs dorés et argentés de la colonne qui est ici. On ne les a pas faites, on oublie ça. Ensuite de ça, il gagne 5 points de victoire s'il a placé ses 5 tentes. Alors, je n'ai pas placé mes 5 tentes, on oublie ces 5 points de victoire-là. Il gagne 7 points de victoire supplémentaires pour chaque ouvrier possédant 6 cachets de cire. Et 3. Donc là, ici, moi, je ne me suis pas rendu là avec aucun de mes ouvriers. Alors, je ne me fais pas 3 et je ne me fais pas 7 points supplémentaires pour un total de 10. Et là, après ça, on se fait des points en fonction de où on est rendu ici. Et c'est là qu'Alfred va se faire des points. OK? Alors, la manière qu'on va se faire des points, c'est qu'on calcule ici. C'est écrit. On se fait 2 points plus le nombre. Ça, c'est pour tout le monde. OK? Plus le nombre de rangées qui sont remplies. Donc, on a 2 rangées de remplis ici sur la colonne. Alors, ça fait 2, 3, 4 multiplié par le multiplicateur. Okay? Donc, on voit qu'Alfred, lui, se fait 15 fois 4. 15, 30, 45. Il se fait 60 points supplémentaires. 60 points. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40... 50, 60 points supplémentaires. Donc, il est à 204 points. Et moi, je vais me faire la même chose. Donc, j'ai 4 multiplié par le dernier qui est ici. Je n'ai pas débarré celui-là. Là. Donc, je me fais donc un grand total de 4 fois 9. Donc, 9, 18, 27. Je me fais 36 points. OK, 36. Donc, ça fait 36 plus 23, 30... 59. Donc, je me rends jusqu'ici. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien calculé mes affaires? J'étais à 23. 23. Donc, ça fait 33, 43, 53. C'est ça, ça marche. Bon, bien, vous voyez que j'ai quand même fait 109 points. OK? C'est quand même... En tout cas, je vais regarder par rapport à mon autre partie, puis je vais finir par voir. Et là, c'est et ensuite de ça, pour terminer, c'est qu'on se fait un point par lot de 5 pièces. Et un point pour chaque jeton temporaire. Fait que là, moi, je me fais un point de plus. Et lui, il lui reste 10 pièces, il va se faire 2 points de plus. Et voilà. Alors, c'est fait, mesdames et messieurs, c'est terminé. Alors, la marque finale, c'est... si je regarde bien, c'est 110 à... En fait, c'est 206 pour Alfred à 110 pour moi. Bon, ben voilà, mesdames et messieurs. Je ne sais pas comment prendre ça. Je ne le sais vraiment pas, puis ça va être les gens qui vont finir par me le dire. C'est sûr que... Écoutez, je vais vous le dire. Okay? Ma première partie que j'ai jouée contre le bot, avec plusieurs erreurs de règles, j'avais perdu 166 à 73. Okay? Ma deuxième partie que j'ai jouée avec une erreur de règle qui est peut-être majeure, qui m'a peut-être fait beaucoup de points, ça a fini 138 pour le bot à 137 pour moi. Okay? Mais j'avais quand même réussi à faire 137 points. Puis là, si je regarde ma partie, j'ai fait 110 points. Donc 137, 110, pas si pire. Mais lui a fait 206 points. Puis, je peux pas vous dire là, si j'ai vraiment, là, si j'ai fait des erreurs de règles, si j'ai fait des erreurs de règles qui sont... Je pense pas qu'au niveau du jeu de base, je pense que ça va, là, la manière que ça fonctionne. Au niveau de l'automa, je pense bien avoir compris comment ça fonctionne. À chaque fois, je regarde pour quand il fait des explorations. C'est bien écrit ici. Alfred Explorer will take the longest route possible, research all specimens past, donc il recherche tout ce qui passe, and perform the last two actions reached. Fait qu'il fait vraiment les deux dernières actions. En tout cas, je vais garder ça pour ma première impression, je vous dirais. Mais c'est sûr que là, mes 3 parties que j'ai jouées, c'est des parties que j'ai jouées contre Alfred. Et là, celui-là, je viens de jouer contre Alfred qui est médium.
Et je pense que si je rejouais une autre fois, je jouerais contre Alfred, qui est facile. Parce que Alfred Medium fait vraiment beaucoup de points. Mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. J'espère que vous avez aimé ça. Revenez, je vais vous donner ma première impression très bientôt sur ce jeu-là. Mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est sûr que c'est le fun. En plus, j'ai même pas pu utiliser mon équipage. Sur ça, j'ai de la misère à optimiser l'utilisation de ces cartes-là. Et il y a des extensions que je n'ai pas encore essayées, mais je pense que j'ai tellement juste graffiné la surface de ce jeu-là. Alors voilà, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder et de vous rendre jusqu'à la fin de cet épisode-là et de cette vidéo. Je vous adore, je vous remercie beaucoup de prendre le temps dans vos journées de regarder ces longues vidéos de présentation d'une partie et surtout de me voir démolir. Mais en même temps, c'est peut-être ça que vous aimez. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram, mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.